Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la suite des aventures des chevaliers de Baphomet avec Nico. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on est avec Nico. On était arrivé à Phoenix dans une drôle d'installation, là. Donc, on va un peu fouiller tout ça. Genre d'ascenseur ne fonctionne qu'avec une clé. Ah, ok. Il n'y a rien d'autre ici. On dirait pas. Ouh, ça sent le poisson par ici. Quelqu'un a fait de la cuisine. Ah bon, fish and chips. L'un des crochets est vide. Ok, bon, on va le prendre. Hein. Y a quelque chose ici. Ok. C'est marrant, c'est quoi ça ici? C'est quoi ça? Je peux l'attraper en montant sur la table. Du chewing-gum? Oh, dégueu. Ok. C'est une vitre sans taille ici ou quoi? C'est quoi ça? Là, il y a un couloir. Une serrure électronique. Cette serrure s'ouvre avec une clé magnétique. On dirait que c'est relié à un système de verrouillage centralisé. La porte est fermée. Oh, tu m'étonnes. Oula. Allez. Bonté divine, ça sent pas pareil, mais c'est presque pire. Ouf. Je crois que c'est le vestiaire des hommes. Morf. Apparemment. La porte est fermée. Ok, on est enfermé. Ah. Je n'arrive pas à assurer ma prise à main nue. Paf. Non, ça va pas. Où c'est celui-ci? Madame Porte, voici Monsieur Crick. Voyons voir cette huile. De l'huile. Ok. Donc, on a récupéré... un chewing-gum Zandi. Ok. Un solide crochet de boucher que j'ai trouvé dans la cuisine. Un bidon d'huile pour moteur issu du placard. Bien. Bon, allez, on va voir s'il y a moyen de pirater ce truc.
Ouais. Allez, Ellie. Quoi? Hein? Pam pam pam. Ouais, je sais pas trop si c'est comme ça, quoi. Oh, ça peut pas marcher, hein. Ah, jusque là c'est pas trop mal. Ouais. Ah merde, attends. Je suis là. Hop, tac. C'est bon ça, ouais. Génial. Accès alpha autorisé. Effectivement, elle est ouverte. C'est quoi ça? Voilà. Bizarre. C'est dingue qu'il y ait encore du... C'est encore utilisé, apparemment, hein, tout ce bazar. D'autres ici dans les environs. Oh oh. Stop. La porte est fermée. Que puis-je faire pour vous? Apparemment, elle ne sait rien. Oula. Vous
flingue sur ma tempe encore une fois et je te le mets où tu penses. Désolé, ma petite dame. Le poil est pas mal. Ouais, c'est... Rien n'est plus puissant que le AK-47. Ouais. Le meilleur ami du soldat. C'est le mec qu'on avait vu sur la vidéo, hein. Non ? Ces types. À vue de nez, je dirais la mafia. C'est ce que je pensais. Ils veulent ma peau. Mais ils n'auront rien. Je suis trop intelligent pour eux. Je m'appelle Ménard. Qui... Je suis journaliste. Ah bon ? Je viens de Paris. Je vous ai vu à la télé. Vous parliez de l'or. Vous étiez très bon. Non, pas très bon. Je ne suis pas bon. Je suis brillant. Personne au monde. Et je resterai encore une milliers d'années. De l'or monoatomique. C'est vrai, je l'ai fait. Voilà. Vous devez être très fier de vous. Fier ? Évidemment. Les pharaons, ce sont eux qui ont réussi les premiers. Ensuite, Moïse a trouvé le secret. Comme moi, il a fabriqué son or dans le désert. C'est magique. Ça tue les gens, mais ça les sauve aussi. Ça arrête les maladies, mais ça extermine. Pas étonnant qu'ils aient eu peur, mais pas moi. Je l'ai maîtrisé. C'est magnifique, vous savez. Vous n'êtes pas venu le voler, hein? Non, je suis venu raconter votre histoire au monde entier. Suivez-moi. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant. Épatant. Je sais. L'or passe par là. La machine concentre l'énergie et puis... Tada! De l'or monoatomique. Des tonnes. Le rendement est fantastique. Il voulait que j'en fasse le plus possible. Mais il n'aurait pas pu tout transporter. Qui il? Mes clients. Pourquoi voulait-il de l'or monoatomique? Pour faire une arme. Une arme puissante. C'est révoltant. Parfaitement. C'est révoltant. Rendez-vous compte. Ils n'ont même pas demandé mon aide. C'est fou, non? Enfin quoi? J'adore les armes. Et je suis brillant là-dedans aussi. Les armes sont mon deuxième sujet de prédilection. Après l'or, Non. Après les filles. Les nanas. Les babes. J'adore ce mot. Babe, 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 babe. Il s'est passé quelque chose ici, non? Ces types. D'autres. Ils ont débarqué. Ils ont tout fait sauter. Dingue, dingue, dingue. Heureusement, je gobe tous les jours un peu de ce truc. Comme ça, je suis protégé des bombes. Oui, quelle chance. Comment ça, quelle chance? Vous êtes malade? Je veux dire, pas de chance. Bref, qu'est-ce qui est arrivé à Anna Maria? C'est votre amie? Non, oh, non, c'est pas mon amie. En fait, je la déteste. Parfait, moi aussi. C'est une pourriture, une misérable ordure. Elle m'a pris tout mon fric, des millions de dollars, et elle l'a caché. Regardez. C'est là, j'en suis sûr. Tout mon argent. Mais je ne peux pas l'ouvrir. J'ai tout essayé. Et si... Oui? Et si on mettait le coffre dans la centrifugeuse? Quoi? Mais vous êtes complètement... Malade? C'est ça. Mais ça pourrait marcher, non? Évidemment! C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Allons-y. Bien. Je n'ai pas le code pour l'ouvrir, et je n'arriverai pas à le deviner. Ok. On peut monter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans les environs? C'est quoi ça? Attends un peu. Tatatat. C'est le panneau de commande du treuil qui est là-haut. Ah. Il a l'air vieux et hors d'usage. Le panneau de contrôle fonctionne, mais la chaîne est rouillée et coincée. Pop, 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 pop. What? Non, ça marche pas, ça. Il faudrait mettre un peu d'huile sur la chaîne.
Bah oui, c'est ça le treuil, Chicon. Enfin, ça aussi, on dirait, mais... celui-là qui nous intéresse. Donc... Ah non. Ah oui, ok, c'est le même qui rejoint, en fait. D'accord, très bien. Oh là là. Bien. Alors, descendre... Ça paraît pas mal, ça. Hop. Espérons que le crochet tienne le coup. Ouais. Ouais, gauche, hein, si tu veux. Ok. On va y parler à Pépère un peu. Qu'elle m'a trompé. Elle se faisait une fortune sur le dos de mon or. Je le sais. C'est vous qui l'avez inventé, le procédé? Oui, de A à Z. Enfin, presque. Anna Maria possédait un vieux manuscrit. Il était très ancien. Ah, un manuscrit. Il y avait quelques petites vulgarisations dedans, mais très peu pour moi. Où se l'est-elle procurée? Allez savoir. Si ça se trouve, elle l'a volé. Parlez-moi de la centrifugeuse. Je serai un dieu parmi les hommes. Je suis le seul à fabriquer de l'or monoatomique. Expliquez-moi un peu cet or. Je fabrique de l'or, mais pas de l'or ordinaire. Oh non, non, non. De l'or monoatomique. Ils ne pensaient pas que c'était possible. C'est quoi ça, de l'or pur? Qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi un peu cet or. J'en ai mangé, vous savez. Ça rend invincible. Ça donne la vie éternelle. Bon, c'est pas vrai. Quel malade. La construction de ces lieux a dû coûter une fortune. Eh oui, des millions. Et qui a payé? Ah, c'est un secret. Chut, on ne doit pas dire leur nom. Je ne dirai rien, mais vous pouvez me le dire. De qui s'agit-il? Je ne sais pas, c'est un secret. Super. Ils ont vu mes recherches. Ils m'ont donné de l'argent pour que je mène ça à bien. Ultra confidentiel. Et Anna Maria a été avec eux? C'est l'homme à poigne du groupe. Une femme à poigne, oui. Vous n'avez rencontré personne d'autre? Une fois, j'ai eu un gars au téléphone. J'ai oublié son nom. Enfin, de toute façon, c'est trop vieux tout ça. Explosion. Parlez-moi de l'explosion. J'étais au Water Closet. Vous voulez savoir ce que je faisais? Non, passez-moi les détails. Bah, je vais vous le dire. J'étais en train de me laver les mains. Alors, c'était un accident? Bah, ne soyez pas bête. C'est du sabotage. C'est torture d'Anna Maria. Elle me doit de l'argent. Pourquoi aurait-elle fait exploser l'usine? Pour l'assurance. Qu'est-ce que vous croyez? Vous étiez assuré? Oui. Eh bien, maintenant que vous le demandez... Et Anna Maria? Elle m'a trompé. J'ai fabriqué tout cet or, et elle me l'a pris. Elle ne vous a pas payé? Et même si elle l'avait fait, c'est à moi! Vous ne savez pas du tout pour qui elle travaillait? Si je la vois, je lui ferai payer. C'est pour ça que je garde mon bébé avec moi. Oui, chouette flingue. Il est à moi! N'oubliez pas ça, ma petite dame. Mmh.
Bon, il est complètement ravagé, le mec. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? Ce panneau contrôle les rouleaux. Ce panneau ne répond pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas connecté. Ok. Pas étonnant si le panneau ne fonctionnait pas. Les fils sont déconnectés. Je peux rassembler les deux fils, mais ils se détachent dès que je ne les tiens plus. Ok. Un bon chewing gum. Burk, je déteste les chewing gums. Je vais attacher les fils avec ce bout de chewing gum. Le circuit électrique est en état de marche, mais le panneau de commande ne fonctionne pas. Ah. Une blague ou quoi? Oh bah non, ok. Alors. J'arrive à faire bouger tous les rouleaux en même temps, mais pas séparément. Le but c'est de l'amener ici, je suppose. Ouais, ok. Attendez. Non, c'est pas bon ça. C'est pas mal ça. Ouais. Ça devrait être bon, non? Hop. Ah non, merde, pas encore, bordel. Voilà. Ok. Ouais, pousser nous-mêmes, ok. Je n'arriverai pas à le faire bouger toute seule. Évidemment. Vous pourriez m'aider? Vous avez besoin d'un homme fort. Oui, mais vous ferez l'affaire. N'essayez pas de m'énerver, ma poulette. Il y a une seule personne ici qui possède un AK-47. Et c'est pas vous. Vite taré, celui-là. Ça ne sert à rien. Il y a un mécanisme de sécurité. Ce n'est pas fait pour contenir un objet de cette taille. On ne peut pas passer outre. Le bouton de sécurité est à l'intérieur de la centrifugeuse. Ah.
Si vous manœuvrez de l'extérieur, je pourrai maintenir le bouton enfoncé et sortir au dernier moment. Ça me semble un peu dangereux. Moi, ça m'amuse. Sûr ? Mais bien sûr que non. Très bien. Appuyez sur le bouton. Ok. Et voilà. Ah merde! Je ne peux pas l'arrêter! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, apparemment, on n'aurait pas le choix, quoi. Le pauvre gars. Il reste plus rien, quoi. C'est quoi ça? Une chemise en plastique par terre. Ok. Peut-être dans le coffre. Un jeu de clés avec un porte-clés en forme de pistolet. On va ramasser tout ça. Un relevé bancaire et un dessin technique. D'après le relevé, la fabrique a reçu une forte somme d'argent prélevée du compte Saint-Michel numéro 3. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce raffut ? On aurait dit une grosse machine, chef. Je sais, imbécile. Mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Oh, je sais pas, chef. Trouve la fille, mais fais gaffe. Le psychopathe doit encore traîner dans le coin. Vito, sors et reste dans le hall. Empêche-les d'utiliser l'ascenseur. Oui, chef. Ils sont dans le grand hall. Il est temps de sortir d'ici. Ok, Il reste plus rien du gars, quoi. Du coffre non plus, d'ailleurs. Ok, bon. Pauvre perso, quoi. Il n'aura pas eu... une grande activité, on va dire. Ah ouais, ça marche, ok, génial. Oula. La porte s'est déverrouillée.
est là. Chef, aidez-moi. Allez, rentre, Coco. Cote, cote. L'ascenseur. Allez. On se passe par là. Comment est-ce qu'on... J'espère pour toi que tu n'as pas laissé la clé dans l'ascenseur. Hé hey chef, je suis pas aussi débile que ça. Tellement débile que tu t'en rends même pas compte. Ouf, j'ai eu chaud. Ok. Alors... Bon, le scénar, je dois dire, c'est un peu tiré par les cheveux, là. Hein. Ainsi, c'est l'ordre de Saint-Michel qui a financé toute l'opération de Phoenix. Placé sous la direction d'Anna Maria. Qu'est devenu l'or? Ménard n'en sait rien. Tu penses qu'Anna Maria le sait? Le savait. Rappelle-toi, c'est elle qui t'a embringué dans une chasse au trésor, pas vrai? En effet, mais quel genre de trésor? L'élixir de vie? Un genre de traitement miracle qui guérit toutes les maladies? Ou une arme? Non, tu ne vas quand même pas croire Ménard. Il est cinglé. Pourquoi mentirait-il? Anna Maria ne peut être mêlée à ce genre de... Ménard s'est volatilisé. C'est une poudre, l'or, c'est un carburant. Pour une arme. Fais-moi confiance, George. Bon, j'ai fait lutter. Il faut qu'on retourne vérifier au monastère. Oh, que s'est-il passé? Laissez-moi venir avec vous. Désolé, Marc, mais laissez-nous nous en charger. Je sais tenir ma place. Ça pourrait être dangereux. On a besoin que vous restiez ici au cas où ça tourne mal. Je ne suis jamais là quand on s'amuse. Marc, on ne fait pas ça pour s'amuser. Viens, Nico. On y va. En parlant de thé, moi, je me ferais bien un bon thé, quoi. La place est déserte. Condition idéale pour une intrusion discrète. Ah, qui voilà. Ok. Bah, écoutez, hop. On va s'arrêter ici pour cet épisode. Ouais, bah, écoutez, je reste pour l'instant sur ma première impression. C'est pas mal, mais c'est pas celui de ma... c'est pas mon préféré, quoi, de la série. Mais bon, on verra, hein, c'est pas encore fini. Bon, allez, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.